Bienvenue les amis dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, je voudrais vous faire. On m'a demandé dans une guitare, une chanson. Vous savez, je fais un arrangement d'une musique, d'une chanson, mais pour les débutants. C'est-à-dire que si tu débutes vraiment, vraiment, genre tu as eu ta gratte il y a 2 semaines ou même pas, tu peux faire la chanson, mais je m'arrange pour qu'elle soit belle. Donc parfois ça la change, ok, mais c'est fait pour, parce que comme ça tu évites de jouer des accords qui vont te décourager au début, d'accord? Donc ce que je voudrais, c'est qu'on essaye de se faire Stand By Me, qui était chanté par Ben E. King. Le disque, il est fabuleux. Attends, est-ce que ça va marcher? Ouais. On va mettre ça là. On s'en fout un peu, c'est pas grave, hein, d'accord? C'est pas très grave, hein, c'est pour que vous ayez cette chanson que vous puissiez jouer si vous débutez. Le but, c'est, on fait un arrangement qui est facile et beau, ok? La chanson, tu connais... Non, je suis pas chanteur, hein, m'embêtez pas, je suis pas chanteuse non plus. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un petit rythme qui va changer un peu. Et comme ça, vous pouvez le faire avec une guitare seule. Le rythme, je vous ferai une deuxième vidéo. Donc, vous allez trouver dans une guitare, une chanson, plein de chansons, une quinzaine, je pense, plus. Il y en a des plus ou moins faciles, mais il y en a une dizaine de méga faciles. Yesterday, je sais pas, il y en a plein. Des méga faciles, vous pouvez les jouer si vous débutez. Ça vous donne le PDF. Et souvent, parfois, cette vidéo, ce sera le cas, il y aura une deuxième vidéo pour vous expliquer un petit truc. Dans cette vidéo, je vous expliquerai le rythme. Ok, comme ça, je passe pas trop de temps, je vous montre juste comment on le joue, à quel endroit. Et puis pour bosser le rythme, et puis pour avoir le PDF avec les tablatures et l'explication. Eh bien, vous allez choper, ok. Donc je vous montre, et puis après je vais manger, parce que j'ai la dalle de dingue. Donc, on va faire comme ça, on met un doigt ici, hop, et ensuite on va s'occuper des basses. Et on laisse lui ici. Sur celui-là, si vraiment t'as l'oreille un peu épanouie, tu peux faire... Ici, tu peux... Mais t'es pas obligé, tu peux... Ça marche très très bien. Si tu veux faire une variation, t'auras... Allez, changeons un petit peu d'accord, on va se mettre ici. Et ça va te changer la couleur complètement. Donc si tu fais la même chose, tu vas changer les basses évidemment. Ok. Vous avez tout dans le PDF, hein, d'accord, et dans l'autre vidéo. Et puis après, toc, toc, toc. Ici, pensez bien que c'est aussi la même grille que... Ça vous fait 2 chansons pour le prix d'une. Et c'est-à-dire gratuit. Et tu peux même faire ici.
les trois. Ok? Tu pourrais même en faire une autre qui. Allez, si pour ceux qui veulent un peu plus compliqué, tu peux faire. Seizième version. Donc on a eu. Qu'est-ce que je vous ai fait? On a eu. Vous avez fait, je sais pas, 5 versions. Je vous mets tout ça dans le PDF. Vous voyez qu'au niveau des doigts, c'est facile. Il y a un doigt qu'on laisse fixe. Il y en a un autre pour poser la base du deuxième accord. Okay, pour bosser pour la base du Fa dièse mineur. Okay. Donc, où qu'on soit, il va falloir aller chercher ce Fa dièse. Et puis après, les trois autres basses, il n'y a pas besoin de changer parce que c'est les trois cordes à vide. Ré, Mi, La. Ok. Et ben, il est facile à jouer comme ça, ce morceau. D'accord. Bon, allez choper le PDF, allez choper l'autre vidéo pour le rythme, et puis les explications, et puis le bonheur de trouver les autres chansons que j'ai mises dans ce truc, la catégorie une guitare, une chanson. Allez, formez-vous, hein. C'est bon pour la santé. Allez, bye bye, ciao.